Salut à tous, on se retrouve pour le nouvel épisode sur Hitman. Alors, c'est parti, petite cinématique, petite mise en bouche, on puisse dire. So you didn't get it. It was quite a blow. That witness possessed information about the Ortmeier files or their location. Ortmeier files? Dr. Ortmeier ran an underground cloning lab in Romania. We raided it as soon as we learned about it, but someone beat us to it. They'd ransacked the place, grabbed all the files, and killed everyone that worked there, even Ortmeier. But that was the least of our concerns. What do you mean? We did find some papers later. Enough to prove that Dr. Ortmeier created Mr. 47. No one else has successfully created a Class 1 human clone. Dr. Ortmeier literally wrote the book. And somebody stole it. Not just somebody. Where's the nurse? Whoa. Sorry. I don't like being dependent. Something as simple as lighting a damn cigar. It's just... I apologize. Could you... Of course. So, who stole the research? We found a surveillance tape. It clearly showed Mr. 47 killing the guards and snapping poor Dr. Ortmeier's neck. So 47 wanted to build his own clones? More likely, he wanted to sell the research to the highest bidder. It lit a fire under everyone's asses. We threw everything we had at him. It's all there. Assassiner le secrétaire de la sécurité intérieure aujourd'hui à la parade de Mardi Gras. Nous ne savons pas exactement qui est derrière ce coup, mais notre client veut que vous l'en empêchiez en liquidant les tueurs. Ils sont trois. Leur chef s'appelle Mark Pouraya Jr. Ses complices sont Raymond Kulinski et Angelina Mason. Kulinski, un ex-biathlète de classe mondiale, est sans doute chargé de l'exécution, et Mason de la reconnaissance et du soutien. Ils sont amoureux et mentalement instables. Alors attendez-vous à une vive réaction si l'un d'eux s'aperçoit que vous avez tué l'autre. Nous n'avons pas trouvé leur plan. Mais nous avons identifié un paiement qui va leur parvenir. L'argent devrait vous mener tout droit à eux. Il y aura évidemment de nombreux civils présents. Et une mission aussi ambitieuse bénéficie forcément de renforts sur le site. Alors soyez encore plus discrets que d'habitude. Allez hop, c'est parti. On choisit nos armes. On va prendre ça. On va améliorer tout ça là. On peut améliorer quoi sur le Silver Ball? Munitions supplémentaires, visée laser, rail pour lunettes, munitions magnum, transperce les portes, recul et suit les autres munitions. Non, deux armes ça m'intéresserait pas. Ok, on va acheter ça. Retour. Ok, alors normalement ça doit être bon alors. Ah non, ça a pas. Retour, voilà. Et cette fois, on lance la mission. Oh la belle mission! There's the handoff. Follow that briefcase, 47. It's the only lead we've got. Allez hop, c'est parti. On va le suivre. Où est passée ma régulière? Ok. Bon sang, Billy Jack, c'est toi? Sur cette map, il y a beaucoup de monde. Ouais. J'ai trouvé un peu de boulot. Il y a beaucoup de monde. Ça, je vous le dis. Je me rappelle même pas la dernière fois où j'ai vu le soleil. Bah ouais, mon vieux, mais j'imagine qu'il faut faire des choix dans la vie. Je crois que t'as raison. Bon, je vais le suivre sans me faire repérer.
Alors faut suivre ce petit piaf. Voilà les quais. Bon, j'espère qu'on va pas le perdre de vue, c'est déjà ça. C'est l'une des plus importantes élections de notre vie. J'ai grandi à la Nouvelle-Orléans. Je vous représente au Congrès depuis 16 ans. Donc ça va, là il y a plein de témoins, donc faut faire moins attention. J'ai l'honneur de servir le président en tant que secrétaire à la sécurité intérieure ces 4 dernières années. Et pourtant, le 20. Dites-vous qu'à l'époque quand même, pour avoir autant de monde, fallait le faire, hein. En fait, si on le perd là, on est dans la merde. Surtout qu'ils ont mis plein de voilà de personnes avec des masques assez similaires. Et du coup, on les perd rapidement de vue. Là, on a vu la meuf qu'on a tuée aussi. On va celui-là. Bon, on le perd pas de vue, les gars. Si on le perd de vue, on est dans la merde. Ok, je suis. Son char, elle écrase tout le monde. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé. Si vous m'entendez un petit peu remonter mon nez, je suis vraiment désolé. Bon, là, il fait quoi là? Oh putain, j'ai fait une connerie. Ah, j'ai fait une connerie. Oh non. Bon, là, c'est mort là. Il va tuer le président. Enfin, le candidat. Bon, on va essayer de se le faire. Sans se faire repérer, les gars. Bon sang, Billy Jack, c'est toi? Qu'est-ce que tu fous là? Ah ouais. J'ai trouvé un peu de boulot. Comment ça se passe pour toi? Oh, la paye est d'enfer, mais les horaires moins. Tu m'étonnes. Je me rappelle même. On va le suivre. Et quand il sera dans le petit truc, on le pousse pas, on le tue avec un. Je crois que t'as raison. Avec un poisson. Un poison, pardon. Et on en finit avec lui, voilà, tout simplement. C'est l'une des plus importantes élections de notre vie. J'ai grandi à la Nouvelle-Orléans. Je vous représente au Congrès depuis 16 ans et au Sénat depuis 12. J'ai eu l'honneur de servir le président en tant que secrétaire à la sécurité intérieure ces 4 dernières années. Et pourtant, le vote le plus important de ma vie, c'est celui que je ferai pour réélire le président le 5 novembre. Cette fois, on fait pas d'erreur, sachant qu'il change de lieu assez rapidement. Et surtout que là, sur cette map là, on voit pas les ennemis, donc on voit que la cible principale, mais on voit pas les autres. Donc faut vraiment pas le perdre, sinon on est dans la merde. Ouais, quelle belle fête quand même. Putain, je pourrais pas, moi je déteste la foule, alors là, je me ferais plaisir ici, hein. Allez hop, on va se poser ici les gars. Ok. Costume de livreur. Le flic est parti. Costume. Non. Traîner le corps, ouais. On va ouvrir le couvercle et se débarrasser du corps direct. Voilà, on est déguisé en poulet, les gars. C'est parfait. Ça, c'est cool. Est-ce que je dépose une bombe? Ou une. Bon, on va déposer une bombe, tiens. Voilà, la bombe elle est dedans. Et là, normalement, on va pouvoir aller abattre notre cible. Notre cible qui est.
Première, ok. Qui est là-bas? Donc, on va se dépêcher. On va aller directement sur notre cible. Par contre, la deuxième cible, je vois pas du tout où elle est. Elle se promène. Et ça va être difficile de la trouver. Dès qu'elle nous voit, de toute façon, elle va essayer de nous suivre normalement. Et dès qu'elle nous suit, bah écoutez. Attends. Je dois tuer. Le secrétaire de la sécurité intérieure aujourd'hui à la parade de Mardi Gras. Raymond. Nous ne savons pas exactement Angelina. Qui est derrière ce coup. Mais notre client veut que vous l'en empêchiez. C'est lui que je dois tuer, non? Ouais, il me semble. Putain, il y en a tellement. Mais attends, j'ai tué qui alors? Protéger. J'ai pas tué le bon? J'ai tué qui alors? Ok. Ok. Bon, je sais pas encore, mais. Je vais voir le chef, les gars. Et la petite manette. On va déjà faire celui-là. Ok. Parfait. Ouais. Ok. Ok. On s'en occupe. Non. Pas de problème. Des okay. Diamants. Ok. Exactement comme convenu. Une valise pleine de cailloux. Allez, hop. Hey, j'ai... Je suis en position, au-dessus de la fête salsa, au Latino Fever Bar. Ok, on va se faire ça. Salsa. Salsa. Il est où? Club Salsa, les gars. Faut qu'on se dépêche. Si on veut l'avoir. Club Salsa, il est là-haut. Faut qu'on se dépêche d'y aller. On se dépêche, vas-y. On va se dépêcher. Il est plus très loin. Bar Salsa, les gars. On a déposé la bombe dans tous les cas. Ok, le Bar Salsa, il est là. Il est en position sur le bar, c'est ça? Désolé, monsieur. Pas de costume, pas d'invite, pas d'entrée. Alors, pas de soucis, mec. Par contre, si je monte pas là-haut, il va tuer le président, mec. Donc, Ok, viens par là, toi. Ça va, mon ami? Voilà, chut. Voilà, couché. Ok, on prend le costume de serveur. On traîne le corps. On le fout là, tranquillement. Y'a pas de témoin, y'a rien. C'est parfait. On peut pas monter par là, donc faut que je monte par le bar.
Il doit être par là, obligatoirement. Je suis en route vers le Blue Oyster Bar, chérie. Ok, là, on va pas l'endormir. On va le empoisonner. Tout simplement. Ok. L'autre, elle a dit qu'elle allait au Blooster Bar. J'imagine qu'un oiseau dans la main vaut bien deux qui s'envolent. Ok. Ça, c'est bon. Normalement, y'a personne qui vient ici. Elle m'a dit qu'elle allait au bar blues. Ok. Au bar blues. Y'a pas de silencieux, c'était merde. Donc là, on se ferait niquer quoi. On se ferait niquer. Bon, ok. Là, je passe tranquille en mode serveur. On va récupérer notre costume dehors. Ouh, la musique, elle s'est mise d'un coup là. Ok. Le talkie, il est là. On s'est fait déjà Raymond. Coco va vouloir un peu plus qu'un gâteau quand elle rentrera. Ah bah tu m'étonnes. Donc je sais où elle est la cible. Je suis au Blue Oyster Bar, chérie. On va y aller direct. Je suis en route vers le Latino Fever Bar, chérie. Excuse-moi chérie. On va la suivre. On va la suivre et on va la buter au Latin Fever Bar. Elle a de belles fesses quand même hein, pour une petite corbette. Enfin un petit corbeau femelle. On va éviter d'inventer des mots. Hein. Je suis le petit oiseau qui veut voir le gros oiseau. Bah écoute, suis-moi chérie. Tu vas kiffer. Personne ici. Là, on va éviter de la buter. Ok. On va prendre le costume de l'autre. On va cacher le corps de Raymond. Cacher son cadavre vite fait. On va le foutre par là. Là, on va sauvegarder. Emplacement libre. Voilà. Ouais, je me disais bien. Ok, donc on va recharger.
Vite fait, vite, vite, vite. Il n'y en aura que quelques secondes pour la buter. Ok, donc j'ai tué, mais j'ai... voilà, j'ai prévenu tout le monde que j'étais là, quoi. On va la buter direct. Merde. Merde, 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 j'ai raté. Ok, bon. Putain, elle l'a buté, quoi. Ça m'énerve. Ah bah, elle l'a buté. Ça, c'est mort. Putain, j'ai que quelques secondes, quoi. Quelques petites secondes. Ok. Je prends mon costume, je me casse. Ok, je me casse. Alors, télécommande, est-ce que je peux l'exploser d'ici? Pas assez près, pas assez longtemps. Ok, on va se rapprocher de l'autre, du coup. Du coup, transporte le cadavre, lui. C'est parfait. Ok, moi je suis passé tranquille, normalement c'est bon. Putain, je l'ai tué, mais franchement, c'est pas comme ça qu'on doit la buter normalement. J'aurais dû la buter dans un recoin sombre. Et en fait, elle tue le mec si on le fait pas. Donc, tout simplement. Il est pas mort? Il est pas mort? Attends, t'es sérieux, il est pas mort là? Comment ça, il est pas mort? What? Bah attends, on a tout raté dans cette mission là. Il meurt pas, après je comprends pas là. Il a survécu là, tu vas me dire? Un truc chelou ici. Ah, c'est chelou quoi, t'as explosé mec, t'es pas mort. Alors mec. Bon, on va attendre qu'il se mette, on va le déguiser en accident, tu vois. Ouais. On va attendre que tu te casses. On va attendre qu'il se casse, hein, monsieur. Je vais te pousser. Allez, là. On perd trop de temps, des fois, dans le jeu. Juste à attendre qu'un truc arrive. Ouais.
Voilà. Toi, c'est fait. Je vais perdre mon temps. J'ai pris une belle balle entre les deux yeux. Toi, c'est qui l'a tué? Mon pauvre. Ils ont buté ton pote. Bah, moi, je me casse, gros. Je me casse. T'as sorti, elle est toute là-bas. Bon, vas-y, on se casse direct. Ni vu ni connu. Mais là, je vais avoir le titre meurtrier, ce objet. J'ai fait la mission à l'envers, là. Complètement. C'est une mission. Elle est pas facile, c'est vrai. Mais bon. Quand même. J'aurais pu faire mieux. Allez hop, on quitte les lieux. Normalement j'aurais fait un score de merde. Témoin, il y en a 5. Filmez pas de caméra, non. Je suis un gangster. Ah bah putain, on l'a jamais eu celle-là. J'ai toujours 1 million sur mon compte. Si je prends ça, je vais camper flic du coup. Gangster, avis de recherche. Ah mais t'as vu, je suis ressemblant, hein. Ça ressemble beaucoup à 47, tu vois. Un gangster, avis de recherche. Raymond Rilexi a retrouvé mort, la police pense qu'il s'agit d'un tueur à gages. A confirmé ce matin que l'ancien athlète olympique Raymond Kelesi et sa femme Angelina ont été tués hier pendant la célébration du Mardi Gras. Violente altercation qui a provoqué l'autre mort. Un agent de sécurité professionnel qui travaillait pour Monsieur Knuxy a également été retrouvé mort. La police ne donne pas la priorité aux enquêtes sur la mort de gardes armés et des agents de sécurité. Les enquêteurs signalent également que 2 coups de feu ont été tirés par l'assassin et en a jugé par les traces des balles de les cartouches retrouvées sur les lieux du crime. Les preuves recueillies sur les lieux du crime se sont élevées insuffisantes pour établir un profil du coupable. Les témoins n'ont pas entendu 2 coups de feu. Une arme silencieuse pourrait donc être... Ouais bon, comme d'habitude, c'est la même. Et on fait une petite sauvegarde. Et on se retrouve au prochain épisode.